Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit duo pack. Donc, c'est du Ombre Ardente. Je me demande vraiment ce qu'ils ont foutu avec cette étiquette, hein, certainement pour la gestion du stock, parce qu'il y a un code barre. Enfin, voilà, c'était à la Fnac, je me souvenais plus. C'est du donc Ombre Ardente, et il y a une carte promo qui est le Miaouz d'Alola. Alors, je vous avouerai que cette carte promo, je la trouve pas exceptionnelle. Miaouz d'Alola, je préfère largement Miaouz que Miaouz d'Alola. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Allez, on va s'ouvrir ça tranquillou en attendant. Et vous le savez, hein, j'attends mes commandes, mais elles mettent du temps. Et oui, ça met du temps. La poste est un peu plus lente en ce moment. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça va arriver sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des belles ouvertures. Et je galère parce que, évidemment, on a le droit au scotch. Hein. Vous savez, le fameux scotch mortel qu'ils mettent derrière les boosters pour les faire tenir. C'est une catastrophe. Donc, comme vous le savez. J'attends avec grande impatience la série. Enfin, du moins, moi je sais qu'elles sont arrivées, hein. Certains l'ont déjà eu. Ben, moi pas encore. Alors, petit Miaouz d'Alola, donc près d'un petit lac. Alors, l'illustration est très jolie hein, quand même. Mais c'est vrai que Miaouz d'Alola, je suis pas fan. Pas fan du tout, mais c'est vrai que la carte est plutôt pas mal. Hein. Je l'ai fait lac, l'effet holo est très joli aussi. Voilà, c'est la SM 43. On a deux boosters. Je vais terminer par le Marchado parce que j'aime beaucoup Marchado. Je trouve qu'il est très sympa. Allez, c'est parti. Alors, sur du booster, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de sympa. Mais bon, c'est comme ça. N'oubliez pas que samedi, je vous prévois une ouverture un peu spéciale avec des règles sympathiques. Vous allez voir, ça va être super cool. Donc, pensez-y pour samedi. 1, 2, 3, 4. Et on va continuer cette petite ouverture avec carte énergie. Relais optimiste. Vicky, Céleroc, Thibaudet, Ratata d'Alola, Flotte à joue, Chenipan, on a un petit Porygon, oh, Bourinos en rare reverse, bon bah c'est déjà pas mal, une petite rare reverse, c'est déjà quelque chose, et enfin, hop 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 hop, Danticris. Alors Danticris, je vous cache pas que j'en suis pas fan du tout. Hein. Il me fait penser plutôt à Dentifrice que Danticris. Allez, c'est parti, on arrive au deuxième booster de cette ouverture. Vous voyez, c'est vraiment une petite ouverture tranquillou. Pour ce. On est quel jour là? Pour ce mardi. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi 1, 2, 3, 4? Tout simplement pour mettre la carte rare en dernier. Rare ou ultra rare, hein, ce qu'on cherche tous. La Hypocéan. Alter de culturisme, Margie, Psystigris, bien chelou, Spododo le champignon, Salamèche tout triste, alors celui-ci je sais pas pourquoi mais ils l'ont fait super triste le Salamèche sous la pluie comme ça, c'est incroyable, Porygon que j'ai déjà eu, Marill en version laine, Hypocéan en reverse et attention va-t-on voir quelque chose et Darkrai en holographique, bon ben voilà un petit duo pack qui est pas dégueulasse du tout hein. Ça fait quand même plaisir, une petite holo et une rare reverse, on va voir ça ensemble. Alors les deux reverse Hypocéan et Bourinos, hein, l'espèce de cheval comme ça, très sympa, et enfin donc deux cartes, une rare d'Anticris et Darkrai. Darkrai est très stylé quand même, avec je pense que c'est la lune qu'il y a derrière et les nuages, c'est très joli. Darkrai est vraiment très beau hein. Ouais, voilà, et petit, alors on va pas l'oublier quand même, parce que c'est la carte promo de ce duo pack, Miaouz d'Alola, voilà, petite ouverture du mardi, tranquillou, j'espère qu'en tous les cas cette petite vidéo vous aura plu, comme vous le savez, pas mal de choses va se profiler sur la chaîne, puisque je vais bientôt recevoir beaucoup d'items sur Épée Bouclier 2, hein. Clash des Rebelles, donc j'attends ça avec grande impatience. J'espère qu'il y aura un petit peu de chance sur cette édition-là, puisque j'aurai pas non plus une grande quantité de boosters, donc ça serait cool de voir quand même quelques petites ultra rares. Donc ça devrait se profiler sur fin de cette semaine, donc peut-être pour ce week-end, ou alors début de semaine prochaine, avec coffret et boosters. Voilà, j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien et ciao ciao!